Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon What's on my phone. Donc c'est une vidéo qui a été demandée sur ma chaîne. Et je vous avais posé une question sur Instagram, enfin une story, où j'avais mis 4 vidéos que je voulais faire. Je vous avais dit de voter en fait et de choisir celle que vous aimeriez voir le plus sur ma chaîne. Et le What's on my phone a été l'une des vidéos les plus demandées, donc le voici. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors mon téléphone c'est un iPhone XS, je l'ai pris en couleur gold. De base je voulais le prendre en noir et au final je l'ai pris en or parce que j'aimais bien la couleur, je le trouve vraiment beau. J'ai eu pour mon anniversaire, donc ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, ça fait moins d'une semaine, je l'ai eu un peu en avance puisque mon anniversaire c'est le 16 juillet. Donc voilà, je l'ai eu un peu à l'avance. Et niveau coque, je me suis acheté 2 coques pour le moment. J'en ai une transparente parce que c'est toujours bien d'avoir une coque transparente. Et j'ai pris une coque sur le site Apple, couleur jaune pastel. Et voilà, et je l'aime bien, je la mets tout le temps celle-ci. Donc quand on allume mon téléphone, on arrive sur l'écran de verrouillage. J'ai pas changé le fond d'écran pour le moment parce que quand je viens d'avoir un nouveau téléphone, j'aime bien garder les fonds d'écran de base, genre les fonds d'écran initial. Je déverrouille avec Face ID. Vu qu'il n'y a plus le bouton pour le Touch ID, maintenant c'est Face ID, il reconnaît ton visage, enfin bref, vous devez connaître. Et mon téléphone, je l'ai rangé en 2 pages. Une page où il y a les applications principales et une autre page où j'ai mis des dossiers que j'ai classés. Alors, première page, on a les applications de base. Donc après, j'ai traduction du coup pour traduire des textes ou pour traduire des phrases parce que des fois je parle avec des étrangers, bien d'avoir Google Traduction. Après j'ai Dropbox parce que je mets tout le temps des fichiers dans ma Dropbox pour les envoyer dans mon ordi parce que parfois ça bug, j'arrive pas à mettre des fichiers avec le câble USB dans mon ordi, donc des fois je le fais par Dropbox et c'est plus simple. Après j'ai réglage, téléphone et messages, Pronote pour les devoirs, vous devez tous connaître Pronote je pense. Après on a l'application McDo parce que j'ai la carte fidélité. Après j'ai YouTube parce que je regarde des vidéos YouTube. Après j'ai Netflix et Influence for You. C'est une application pour les partenariats. Et en fait il y a les marques qui peuvent te contacter et nous on peut contacter les marques pour tous les réseaux. Donc il y a Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, enfin TikTok même je crois. Donc moi je l'ai grâce à mon compte Instagram. En parlant de ça, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous le mettrai juste ici. Et donc voilà, après il y a 21 Buttons, donc ça je pense que vous connaissez. C'est très à la mode en ce moment cette application. Donc par exemple, donc ça c'est mon profil, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, c'est XOenjoy, pareil sur 21 Buttons. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour que vous puissiez aller directement sur 21 Buttons. Donc en fait vous mettez des photos de vous avec des vêtements. On va mettre des liens sur la photo, donc un lien pour montrer d'où vient le t-shirt, d'où vient le bracelet. Si les gens achètent avec ton lien, et tu gagnes de l'argent et c'est franchement cool. Et vu que je suis ambassadrice de leur application, c'est encore mieux parce que du coup des fois je peux vous faire gagner des trucs parce que des fois du coup je fais des concours. N'hésitez pas à aller me suivre sur 21 Buttons. Ensuite donc on a Instagram, mon Instagram c'est pareil, c'est XOenjoy. Donc voilà, je vous montre un peu comment est mon Instagram. J'essaie de faire un peu un feed dans le bleu vert, là j'ai fait le rouge. Là après je vais partir dans le rose et puis je vais faire du vert. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, abonnez-vous. Sinon je compte vous faire une vidéo comment j'édite mes photos Instagram. Aussi une vidéo comment faire un feed, des petits conseils comme ça. Après j'ai Safari, Snapchat. En Snapchat c'est pareil, XOenjoy, je vous mettrai juste ici. Après j'ai Spotify, deuxième page, donc j'ai divers. Donc divers c'est pas très important, c'est les applications vous savez qu'on n'utilise pas, qu'on a eu avec l'iPhone, qu'on peut pas désinstaller mais que du coup on les met dans un dossier. Donc j'ai divertissement, donc dans divertissement j'ai Allociné pour le cinéma, pour voir des films qui sont au cinéma en ce moment, etc. J'ai Musique Xmatch, c'est une application, donc soit c'est pour comme Shazam, c'est pour savoir le nom de la musique, et sinon c'est pour les paroles. Après j'ai Prime Video, c'est comme Netflix mais c'est le truc d'Amazon et c'est pas du tout les mêmes styles de vidéos. Après il y a Molotov, c'est pour regarder la télé sur mon téléphone, voilà, pour regarder TF1, France 2, Énergie, tout comme ça. Après j'ai TV Time, c'est pour mes séries, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Et en fait on met les séries qu'on est en train de regarder et quand on a vu un épisode on clique sur le petit check là. Et en fait ça calcule le nombre de temps passé devant la télé. Et aussi ça vous montre où vous êtes dans votre série pour pas que vous vous perdiez dans les épisodes. Et après j'ai Énergie, j'ai un dossier Network, donc dedans j'ai Vinted,
Vinted, c'est pour vendre ses vêtements, c'est comme United Wardrobe. Si vous voulez vous abonner à moi, c'est pareil, c'est XO Enjoy. J'ai Twitter, pareil, je suis pas très active sur Twitter, voire pas du tout. Mon compte sert absolument qu'à reposter des trucs. Après, j'ai TikTok, bon, je fais pas TikTok, mais en fait, c'est juste pour regarder les TikTok des autres. Voilà, j'aime bien quand je sais pas quoi faire, j'aime bien aller sur TikTok. Ensuite, donc, j'ai Messenger pour les messages par Facebook. Facebook, j'ai plus l'application, je l'ai dans mon iPad, mais pas sur mon téléphone. Après, bah, j'ai Pinterest pour avoir des idées. Ensuite, j'ai BFM TV pour suivre ce qui se passe, voilà, les actualités et tout. J'ai Vidéast pour savoir le nombre d'abonnés en temps réel que j'ai sur YouTube. J'ai Social Blade, donc c'est pour savoir pareil un peu mes statistiques niveau Instagram et YouTube. Et puis j'ai YouTube Studio pour un peu pareil, pour avoir les statistiques de ma chaîne YouTube et tout. Ensuite, j'ai un dossier photo, donc dedans j'ai des applications pour les photos. Donc j'ai Lightroom, Photoshop Fix, Layout, Moho Made, Photo et Impreview. Les applications qui sont là, c'est pour des retouches vite fait des photos, parce qu'en fait toutes les retouches que je fais sur mes photos ou quand je fais des stories et que ça prend du temps, je vais sur mon iPad. Et pour ce dossier, je vais vous le montrer une autre fois puisque je vais vous faire une vidéo bientôt comment j'édite mes photos. Donc je vous montrerai bien sûr toutes les applications que j'ai pour les photos, pour les stories également. Ensuite, j'ai le dossier santé, donc j'ai l'application santé. Flow, c'est pour les règles. Et Nike Run Club, c'est pour courir. Un dossier jeu. Alors avant, sur mon ancien téléphone, j'avais pas de dossier jeu parce que j'avais pas cette place. Et là, waouh, j'ai de la place sur mon téléphone pour avoir des jeux. Du coup, je revis. J'ai téléchargé 9 jeux. Donc j'ai 2048. En gros, faut arriver à 2048 en faisant des carrés comme ça. Sauf qu'à un moment donné, bah tout est rempli et donc c'est hyper compliqué de bouger les carrés. Je vais vous montrer Camille 2. C'est un jeu de casse-tête. Après, j'ai 94%. Donc en fait, c'est un jeu. Où c'est par thème, et en fait par exemple voilà, on en mange au cinéma et on va écrire des trucs qu'on mange au cinéma. Après j'ai Bestfienne, c'est un peu comme Candy Crush, Subway Surfer, je pense que vous connaissez. Après j'ai Dancing Line, c'est un peu comme Zigzag sauf qu'il y a de la musique. Après j'ai One More Line, des fois j'aime bien, des fois il me saoule ce jeu. En fait c'est un jeu comme ça, et en fait quand il y a des trucs qui sont sur ton chemin, et bah t'appuies pour que tu te décales d'eux en fait. Après j'ai le dossier productivité, donc dedans j'ai podcast, j'ai fichier, dictaphone, OneNote, donc j'ai WeTransfer, j'ai mesure pour mesurer des objets et tout, je l'utilise jamais mais on sait jamais, ça peut toujours être utile. Après j'ai Wattpad, l'appli pour lire des histoires en fait. Après j'ai épisode, donc je l'ai mis dans productivité parce qu'en fait l'application est en anglais, du coup bah c'est pour m'aider en anglais, mais en gros c'est un jeu d'histoire. Le dernier dossier que j'ai c'est shopping, et donc dedans j'ai Zalando, Sephora, Asos et Sneakers. C'est une application où ils montrent toutes les paires qui sont à venir, qui sont dures à avoir, elles sont là-dessus. En vrai, j'ai pas beaucoup d'applications originales. Bref, donc voilà pour mes applications. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous, vos applications que vous aimez bien et des applications originales. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.